Gloire au Dieu de Papa Florian. Chers du village, bonjour. Bonjour. Le samedi, nous avons assisté à une scène. Oui. Papa qui a interdit à un protocole de toucher la quête. Voilà, il ne doit plus s'approcher de la quête, il ne doit pas soulever d'enveloppe. Il a dit que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa place. Mais derrière ça, il y a un songe qui était là, que tu vas encore nous relater, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que ici nous avons un Dieu qui révèle toutes choses. Oui. Allons-y. Effectivement, vraiment, c'est très étonnant parce que nous, on était tous étonnés de la réaction de papa. Mais oh, il y avait quelque chose en bas. Mais quand papa a fini de réagir, il a dit de à quelqu'un de le chercher, de le chercher, qu'elle est venue. Et puis papa a fini de parler, la dame s'est levée et puis elle est venue vers moi. Elle dit, mais je viens de faire un songe. Le songe là, on dirait que quelqu'un a pris quelque chose dans le ministère. Il a fait un truc qui n'est pas bien, puis papa est en train de l'engueuler. Et puis, c'est une soif d'argent. Et puis il m'a demandé le monsieur, il a dit, quelle ethnie? Il dit, c'est hébreu. Il dit, mais c'est un hébreu qui avait décédé dans le songe. Et que lui, elle, ça l'étonne parce que c'est ce qu'elle a vu la nuit, c'est ce qui s'est passé et réellement. Et vraiment, ça, elle est blessée, elle a eu peur même des réactions de papa parce qu'on dirait que ce n'est pas papa même qui est en train de réagir. C'est ça que je lui ai dit, ah, mais c'est comme ça. Hein. Mais moi, mais pas, ça m'a surpris parce que c'est bien, que je travaille avec lui le plus souvent, il ramasse les chaînes, mais c'est pas dans quel coup. Et c'est après que elle m'a dit le songe, j'ai dit, ah, ça que ton songe là, c'est la vérité. C'est pour dire aux gens qu'au chemin du ciel, tout ce que nous faisons dans la salle, même Dieu en dehors de la salle, le Dieu ne peut pas faire une voix. Si c'est mauvais, une voix. Si c'est bon, une voix. C'est ça. Voilà. Mais il y a un temps pour qu'il réagisse. Voilà. C'est pour cela que je dis que la réaction de papa n'a pas fait mal aux gens. Faut pas, ils vont prendre mal. Parce que ce n'est pas lui-même. C'est le Saint-Esprit même qui a réagi ce jour-là. Parce que quand j'ai tourné, j'ai vu, papa même m'a expliqué un peu de trucs de lui, c'était pas bon du tout. Ça, ce qu'il a fait n'était pas bon du tout. C'est pour ça que Dieu a fait qu'il a réagi comme ça. Donc, pour nous dire, on n'a qu'à faire beaucoup attention à nos manières de faire, notre manière d'agissement. On fait ça parler. Le Dieu de papa, il est vivant. Il est vivant. Il est très, très, très vivant. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, cher du village, pour cet ajout. Que Dieu nous bénisse encore. Amen.